Là, ça va pas, hein. Je vous ai parlé hier en vlog que j'ai rencontré des problèmes de monétisation. Hier soir, après cette soirée, je monte la fin du vlog. Je lance le rendu. Je balance la vidéo sur YouTube, la programme, machin, etc. Ce matin, je me réveille. Et je constate que le vlog d'aujourd'hui est démonétisé. Pas de monétisation sur le vlog d'aujourd'hui. Merveilleux. Bon, je vais pas vous détailler ça, je vais en faire une facecam pour en parler plus en détail. Mais autant dire que ça casse les bonbons. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis, ça se trouve, c'est bon. Non, franchement, ça fait chier. En gros, je travaille gratos, quoi. Bon, comme je dis, je vais pas m'étaler là-dessus, j'en ferai une facecam. Dans tous les cas, aujourd'hui nous sommes samedi. Hier soir nous avons fait l'anniversaire de Malone avec ses grands-parents, son oncle et tout ça. Et aujourd'hui, ce matin je me lève, 8h30, Malone il est en bas, je dis pas t'es déjà là toi? Il me dit oui, il faut que j'aille chez Loïc pour préparer cadeau parce qu'il y a un de ses potes qui fait aussi son anniversaire. Je dis ah d'accord. Du coup il part chez son pote, il me dit j'attendais que quelqu'un se lève pour aller pour y aller, pour pas partir comme ça. Je dis ok, du coup bah Malone est parti chez son pote. Ensuite les petits sont levés, déjeuner, machin et tout ça. Et après bah je suis allé voir Laura là, pour bah du coup la réveiller, parce qu'il est presque 10h et je dois aller aux courses, machin et tout. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui je dois aller compléter les courses d'hier, car nous faisons... Alors aujourd'hui, cet après-midi, nous avons... à la maison 6 copains de Malone, 7 avec Malone, 11 avec les autres enfants, 13 avec nous, 15 avec un ami qui vient sortir avec sa fille. Bon, et je fais un barbecue pour 15 personnes. Autant dire que là ça va être chargé aujourd'hui, extrêmement chargé. Ce n'est pas un week-end reposant, c'est un week-end extrêmement fatigant, mais bon, on va s'adapter, on va faire avec, c'est comme ça. Dans tous les cas, là, je vais me préparer à partir aux courses. J'ai 2-3 courses à compléter. Des saucisses blanches, des trucs comme ça. Et puis après, bah ouais, je vais acheter ce qu'il faut. Et ensuite, bah, c'est préparation et tout. À midi, on a des restes pour midi, donc ça va au niveau des repas et tout ça. Et puis ce soir, bah, faut préparer tout. Donc vous allez me suivre tout au long de cette journée. Peut-être une journée qui ne me rapportera rien du tout. Si YouTube décide à nouveau de démonétiser cette vidéo, je ne sais pas. C'est une galère pas possible. Mais comme je vous dis... Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à vous reporter en fait sur la facecam démonétisation que je vais tourner maintenant, publier et tout sur YouTube. Voilà, comme ça au moins c'est une facecam dédiée à ça, c'est plus expliqué et tout ça et c'est mieux. Allez, je vais aller mettre mes lunettes et je vais tourner ça et je vous reprendrai après pendant le montage. Bon voilà, je viens de tourner ma facecam inédite là, je vais la charger sur le PC. Je vais la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube, on verra si elle est démonétisée celle-là aussi, bordel. C'est fatigant. On verra bien. Oui, je vais exit ça. Le fixture et éteindre ma lumière divine. Voilà. Bon allez, je vais monter cette vidéo, je vous reprendrai après, et puis après j'irai aux courses et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bon les amis, il y a Stevie qui va arriver parce que je viens de voir une publication en story Snap là, comme quoi il a été porté plainte parce qu'il a failli percuter une bagnole hier sur notre village. La voiture roulait comme une cinglée et tout ça, et il a dû faire un évitement, il a explosé sa caisse pour l'éviter et tout ça, et du coup il a dû porter plainte et tout, et je viens de l'appeler, je lui dis c'est une Citroën, plaque AA machin, et il me dit ouais peut-être, il dit oui, ça doit être ça et tout, parce que hier, Laura elle a été en contact avec une meuf justement, qui a dû éviter à la dernière minute une bagnole qui, pareil, roulait comme un zinzin, tu vois. Donc, on va voir, je sais pas. Je sais pas si c'est ça ou pas, donc il va vite venir, il vient vite pour en parler, mais ouais, c'est chaud. Ouais. Je suis en train de programmer aussi la vidéo et tout ça. Je vais voir si la facecam, bah, du coup, elle est démonétisée, celle-là aussi, hein, tu vois, au passage. Ah, bordel.
Je vais voir. En tout cas, je l'ai envoyé. Là, elle est en cours de traitement. Steve, il va pas tarder à arriver. On va en discuter vite fait. Je lui dis, je pars à Saint-Dié après. Je peux pas trop rester. Mais ouais, il a dû porter plainte et tout. La voiture qui roulait comme une cinglée et tout ça. Donc, ça correspond quand même pas mal à la description, tu vois. Donc, je vais le mettre en relation avec la meuf qui aussi a failli percuter cette bagnole. C'est chaud là. On va voir ça. Vous voyez ce que je vous expliquais avant de descendre? Regardez, mon vlog d'aujourd'hui, il est limité. Et j'ai demandé un examen. Il y a une demande d'examen qui a été envoyée. Ils vont me dire, ouais, c'est bon en fait. Et là, vous voyez, je viens d'envoyer la facecam que j'ai tournée. Et c'est marqué vérification en cours. En fait, il est en train de vérifier le robot que tout soit OK. Et à partir de là, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc on verra si quand je la mets en ligne juste après, bah, ça passe en démonétisé. On va bien voir. On verra. Bon, c'est bon, Steve vient de passer. Regardez, bon, en fait, la voiture, ça correspond pas forcément, ni le lieu et tout, donc... non, il vient de venir. En fait, la description de la voiture correspond pas à la meuf d'hier. Et puis, là où il a eu coup son pet, en fait, c'est une voiture qui apparemment serait arrivée en face. Je dis serait, parce que Steve, elle serait arrivée en face. Il a donné un coup de volant pour l'éviter, parce qu'il était sur sa voie. Il a été tapé la rambarde de sécurité. Et du coup, c'est vrai que sa voiture, là, elle a pris un sacré choc. Hein. Bon, elle roule. Ah bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Vidéo démonétisée. Voilà, je suis démonétisé. Bon, je vais essayer de trouver pourquoi il y a un souci. Là, il y a un gros problème. Putain, elle est démonétisée. Je change le titre, je vais marquer une vidéo drôle avec des petits chats. Non, pas monétisé. Donc c'est pas le titre ni la description, parce qu'à ce moment-là, la monétisation, elle reviendrait toute seule. Je change la miniature. Toujours pas. Donc ça veut dire que c'est dans le contenu de la vidéo qu'il y a un problème. Non, c'est vidéo démonétisée. Putain, ça me saoule. Une vidéo drôle avec des petits chats démonétisés. Ah, la vidéo, en fait, je parle simplement. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de clope. Il n'y a rien en fait qui pourrait justifier une démonétisation et elle est démonétisée. Donc là, en l'état, je vais pas la publier. Si je la publie, je gagne 0€. Donc c'est absolument pas logique, tu vois. Putain, ça me casse la tête. Bon, j'ai remis mon titre et tout, je vais remettre ma miniature vu que c'est pas ça. D'habitude, c'est qu'il y a un problème avec un titre, tu l'enlèves et hop, ça remonétise immédiatement. Et là, non. Donc, je vais demander un examen de la vidéo. Voilà, demander un examen. Nous examinons actuellement votre vidéo et tout ça. Voilà. Là, il est 10h, je vais essayer de publier celle qui est prévue pour aujourd'hui, le 23 septembre. Je vais la publier maintenant et on verra si elle est démonétisée. Il est 10h44. Je vais la publier tout de suite. Public. Publié. Boum. Voilà. Elle est publiée. Et du coup, je publierai l'autre. Je vais publier, du coup, je vais voir laquelle. Celle-ci. Aujourd'hui, à 15h. On est 23. J'ai de l'avance dans les vidéos, donc je peux me permettre de mettre deux facecam, mais il ne faudra pas que ce soit tout le temps comme ça. Voilà. C'est bon. C'est publié. Pour l'instant, elle est monétisée. Pour l'instant. Et tu vois, le vlog démonétisé, quoi. Puis c'est une boucle sans fin, parce que plus YouTube démonétise des vidéos, et plus il va démonétiser automatiquement en se disant « Ah ouais, mais j'avais déjà démonétisé pas mal, c'est qu'il y a un problème, tu vois. » C'est un cercle vicieux, quoi. Et là, le vlog d'aujourd'hui, il est gratuit.
Putain, ça me... Du coup, celle-là, je le mets au 26 septembre. Celle-là, au 27. Ouais, je perds un peu de l'avance que j'avais. Et celle-là, au 28. Voilà. Et j'en ai encore deux, là, à publier. Ça va me monter à la tête, cette histoire. Quand c'est un problème informatique, à la limite, ça va. Mais là, je ne peux rien faire. Et c'est absolument pas normal. Et même mon network me dit, c'est un bug. Ouais, mais bon, il est gentil, le bug. Mais moi, ça me fait sauter mes revenus. Enfin, t'es gentil. Comme je vous dis, hein, t'as pas rendu ça à un patron. C'est comme si le patron, demain, à la fin de la journée, il disait, ah, bah, aujourd'hui, en fait, j'ai oublié de te dire, le logiciel comptable, il a planté, tu as travaillé gratuitement. Ah ouais, super. Ah, merci. Bon, on va bien voir ça. Allez, faut que j'essaie de me sortir ça de la tête. Bon, je suis en voiture, je vais au magasin acheter ce qui restait. Là, il restait des saucisses blanches, du lard, puis deux, trois boissons. J'essaie de me sortir la tête de la tête de ces histoires-là, parce que ça commence à me chauffer sévère. Là, j'ai réécrit à mon network en leur disant, bah voilà, ce matin, vlog démonétisé, 100 balles de perdu. Que ça commence à bien faire cette histoire, surtout que c'est pas comme si en fait je demandais l'examen des vidéos et qu'après on me disait ah en fait non c'est démonétisé parce que si parce que ça, parce qu'ils me disent à chaque fois ah bah non on s'est trompé en fait c'est bon la vidéo elle est bien adaptée à tout le monde, on peut monétiser. Donc il y a vraiment un gros problème là sur la chaîne, c'est un bug hein, ça arrive, mais ça fait chier quoi, ça fait chier de travailler gratos quoi. Donc en gros, autant pour les facecams, bah là j'ai tourné une facecam ce matin, bon bah elle est en cours d'examen, ils vont me dire qu'en fait elle est adaptée à tout le monde, donc c'est bon. Mais les vlogs, moi c'est publié le matin même, tu vois, le vlog de la veille, donc à part faire des vlogs 3 jours à l'avance, je vois pas comment je pourrais faire. Hein. Donc ouais, c'est la grosse de merde, putain j'ai oublié mes médicaments pour le cœur. Je me disais que j'avais mal. En plus, ouais, alors, en plus de ce stress et tout ça, maintenant, faut que je le prenne aujourd'hui parce que si je le prends pas, je vais avoir mal à la tête et mal au cœur toute la journée, putain. Ça m'énerve. Mais oui, j'avais eu ce problème il y a un an de cela, à peu près. Mais ça touchait pas les vlogs, ça touchait que les facecam. Et puis au bout de 2-3 jours, c'était revenu à la merde de l'Europe. C'était revenu à la normale. Et sur la chaîne de Maeva, c'était il y a des années, il y avait eu... Col de l'argent était apparu, était sorti, il y avait eu un gros problème. Toutes ces vidéos passaient en démonétisé aussi, obligé de faire une demande d'examen. Et du coup, bah, elle avait 2 jours d'avance sur les vlogs. À chaque fois, elle vloguait en fait 2 jours avant. En fait, si tu voulais, le vlog qui sortait, c'était il y a 2 jours. Donc ça allait, tu vois. Parce qu'en fait, je pouvais pas tout gérer. Je pouvais pas gérer les sites internet et ça, ici et ça. Et les vlogs et tout. Donc il y avait 2 jours de décalage avec les vlogs. Et ça évitait le soir de courir pour monter le vlog pour le lendemain, tu vois. Donc ça allait, on faisait une demande d'examen et puis ils disent c'est 7 jours maxi, mais en vrai, au bout de 1 ou 2 jours, c'est bon, c'est réglé, tu vois. Mais là, c'est la merde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le radar, il faut que je fasse gaffe, putain. Enfin bref, c'est la merde. On verra bien. Je verrai aujourd'hui quelle vidéo est remonétisée, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cela. Voilà, je vais vite fait au Cora, je jette ce qu'il faut, je rentre à la maison et je vais essayer de me dépolluer la tête de ces histoires. J'ai tendance à assez vite, assez facilement mettre de côté les choses qui montent pour pas stresser, etc. Mais là, le problème c'est que ça touche l'oseille. C'est pas rien, ça touche les revenus. Après, je suis pas à plaindre, hein, comme je dis, j'ai de l'argent de côté. La chaîne génère quand même des revenus confortables ce mois-ci, donc ça rattrape. Donc en gros, en fait, ce mois-ci, au lieu de toucher plus que mon salaire, parce que j'aurais pu me faire une prime ce mois-ci, bah je serais à mon salaire normal, tu vois. Si c'est réglé, parce que là, si ça continue pendant 2 semaines comme ça, que j'ai plus aucun vlog qui est monétisé, là par contre, ça va commencer à être très compliqué là. Alors, une semaine de vlog démonétisé, c'est presque 1000 balles. Hein. Ça pique un peu. Enfin, un peu chier quand même. Bon, c'est bon, les amis, je suis rentré. J'ai rangé les courses. Et puis là, bah, je suis retourné sur le PC. Je vais essayer d'enquêter encore sur cette histoire de monétisation là. Laura, elle me dit, je lui ai dit, j'ai mis en titre des petits chats tout mignons sont en train de jouer ou un truc comme ça, tu sais. Pour voir si ça passait.
et ça passait pas, donc c'est qu'il y a un problème ailleurs. Le robot, tout ça, tu vois. Et elle m'a dit, mais si tu savais, j'ai dit, mais c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas où est le problème en fait. Personne ne me dit, je ne sais rien. Bien, moi, je crois. Comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout que le vlog d'hier a été monétisé, celui il y a deux jours a été démonétisé au bout de 24 heures, c'est sans raison. Et il y en a, je clique sur publier, ça se démonétise. Alors qu'elles ont passé les examens et tout. Ah, ça me pète. Aïe, aïe, aïe. Ouais, on verra bien. Et des petits pinces. Oh, bah, bah vas-y, mais en route. En fait, Youssoufa, c'est vraiment bien. Bon, je pense qu'il y a assez de gâteaux apéro. Je sais pas, ça va être chiant. Bah après, il y a pour vous et pour non, nous. Mais... Oui. Je sais pas, pour moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Je vais voir la vidéo. On dirait cet acteur, j'ai déjà vu sur un film. Cet acteur, c'est pas un acteur, c'est un auteur. Mes vidéos pour qu'on voie la vidéo aussi. Elle est trop bien, la vidéo. Ah bah maintenant, ça va être changé. Oui, bah il faut attendre. Même. Hier, là, tout à l'heure, elle a regardé des photos de Madame Bibi. Elle a pleuré. Mmh. Je parlais de la publication que j'ai fait sur Instagram, du coup, elle m'a montré des photos. Oh là là. Elle a dit il y a presque un an, tu étais chez toi, ton père t'avait fait un meuble où t'es posé tous ses doudous. Il y a un an, il y a 16 ans. Parce qu'en fait, elle a été hospitalisée pendant longtemps et après, ils l'ont laissé sortir une semaine. Et c'est pendant cette semaine-là qu'elle a accouché, le dernier jour. Ouais. Mmh. Il m'avait dit si lundi vous n'avez pas accouché, on le déclenche. Et le lundi à 5h05. Et lundi matin à 5h05, j'ai accouché. Jusqu'au bout. Mmh. Elle est en train de se coiffer. Comme j'aime, en plus, je remarque. Ah bon ? Bah oui, quoi, bon. Ah, j'ai dit t'as remarqué quoi ? Bah oui, j'ai remarqué. Est-ce que j'ai fait une petite. Oui. On va possiblement faire un live. Les enfants, en fait, ils partent se promener hein, avec ta mère. Oui. Ils vont marcher. Ils viennent chercher après. Et puis, bah, après, il y a Malone et ses potes, mais bon, c'est des ados et tout ça. Oui. Donc, ça va. Donc, on va possiblement faire un live pendant la préparation du brownie. Brownie. Et puis, moi, j'ai toujours pas retrouvé ma monétisation. Hein. Je vais recevoir un mail ce soir. C'est adapté à tous les annonceurs. Sans déconner, Nils. J'ai dit pour les face gap, mais c'est pas grave parce que je les planifie plus vachement à l'avance. Mais pour les vlogs, c'est pas possible, c'est du jour au lendemain. Ouais. Donc je peux pas attendre qu'ils valident avant de la publier quoi. Mais rendement. Aujourd'hui, c'est un jour généreux, je travaille gratos. Enfin, du coup, hier, j'ai travaillé gratos. Bon, c'est pas encore le bordel, mais ça va l'être. Là, ça va être le bordel comme tout à l'heure, les petits vont revenir et qu'il y a déjà les potes de Malone. Bah surtout que du coup ils vont être surexcités parce que. Ah bah quand ils reviennent chez ta mère ou de mes parents, ils sont surexcités de toute façon. Non mais ils vont être excités parce qu'il y a les copains Malone. Oui. C'est tout ça. Les copains Malone, ils jouent avec eux. Ouais. Eh, compliqué à trouver des saucisses blanches. Ouais. Ah bah il n'y en avait plus qu'un paquet. Deux paquets, les deux que j'ai eu. Tout le reste est plus grillable, nulle part. Genre le lard, j'ai dû le prendre en rayon boucherie. Tu sais, des fois ils mettent des barquettes de lard, bah il y avait que ça. Oh, j'ai dit, mais je vais rien trouver, c'est quoi cette histoire, je vais devoir aller à la boucherie, tu sais. Et non, c'est bon, j'ai trouvé parce que là je suis au courant du coup. J'ai pas pris de salade, à chaque fois que je fais des salades, personne en mange, donc bon voilà. Et j'ai pris 8 baguettes de pain. Mmh. 3 plus, ça, t'as vu. C'est très bien. Et oui, je trouve aussi. Bon, j'attache les cheveux devant parce que tu comprends, je vais cuisiner. T'as vu comme elle se fout de ma gueule? Non. Non mais quoi? Oui. Bah. Oh. Parce qu'après tu me dis oui. T'as vu comment tu dormais hier? T'attaches quand même. Non, c'est pas taillé, comme ça.
Je t'ai même dit hier soir, quand j'ai voulu, au début j'étais sous TikTok, je m'en foutais, tu vois. Mais quand j'ai voulu vraiment me poser, je t'ai pris ton bras, je t'ai dit chérie, j'ai plus de place. Puis du coup, tu t'es retourné avec ton doudou. Ah, j'ai entendu une insulte. Donc à mon avis, c'est Malone qui a reçu un de ses potes. Ah, donc j'ai bien compris. Oui. Voilà, je dirai pas l'insulte, j'ai encore des problèmes donc. Oui, mais j'avais entendu ça. Oui. Je me suis dit, bon, non. Oui. Si, si. Ouais, les amis, une partie des ados sont arrivés, ça s'entend. Une partie des enfants est partie. Il est où? Il est là-bas. T'étais pas censé faire un live, donc je l'avais enlevé. Elle a eu peur. Regardez le stop pour ce soir. Là, derrière, là-bas. T'as redonné la... Ah, t'as redonné à ta mère, du coup, la brioche pour ton frère? Non. Hum? Bah, non. Bah, elle est où? Bah, et l'autre, elle est où? Ah, bah, elle est là, je l'ai pas vu. Putain. Donc, Laura va faire un live. Et les enfants sont partis promener, sauf Tibi. De toute façon, ta mère, elle avait pas la place dans la voiture, de toute manière. Elle avait le pio, son voisin. Mais et le reste, c'est où? C'est lequel qu'il faut brancher? Bah, celui qui fonctionne. Bah oui, mais j'ai pas le fil. Bah, tu vas du fil jusqu'au truc. Bon, les amis, est actuellement 17h02 et bah, j'ai joué avec un ami à Counter-Strike, Laura fait son live encore. Que des parties de merde, on a perdu, que des parties de merde et des fois ça marche pas. Hein. J'ai dit moi je suis comme l'équipe de France en foot. Soit je suis très bon, soit je suis très mauvais. Et là, une ou deux parties c'était compliqué là quand même. Ouais, je me demande si je vais pas aller faire un petit tour en moto. Très du bien. Avant de préparer le barbecue de ce soir. Bon les amis, je suis rentré du coup de moto, je suis allé à la boucherie, j'ai donné la brioche, tout ça. Laura lui a donné la brioche à son frère qu'on a oublié de lui donner. Le brownie est là. Et là on est en train de servir les gâteaux apéritifs aux enfants, machin et tout. Nous ce sera après. Ensuite, soupe des vies vient après. Et bon, on sert un peu tout ça. Je vais commencer à allumer le barbecue tranquille. Couper le pain et tout. Et voilà. Regardez là, regardez là. Libby a dit j'ai froid, Laura a dit moi aussi. Et elle m'a dit on pourrait allumer. Je dis bah de toute façon on peut pas parce qu'il faut nettoyer l'intérieur, faut passer un coup d'aspirateur intérieur. Elle m'a dit mais si je nettoie l'intérieur, est-ce qu'on peut l'allumer? Oh purée, regarde là. Et il fait bon en plus, hein, c'est ça le pire. Non, mais pas. Non mais toi t'as des. Non franchement. Non mais toi, ah mais parle pas. Là. C'est bon. Bon les amis, je crois que c'est un peu le bordel là ce soir. Et une fois, quand j'étais en... Non, cours, je okay. Filme. T'inquiète. Il a pris quoi? Un soir, quand on était en quatrième, on a fait... Il y a Greg qui était parti aux toilettes. Salut. J'ai peur, là. Non, j'ai pas peur. Il est où ton cadeau? Tu sais... C'est des puits de lumière. Je crois qu'il y a le père de Lucas. Quoi? Lucas? Il y a un autre. Je devrais lui dire, il est 25, il est pas 30. Ouais, les amis, j'ai pas filmé depuis tout à l'heure. Il y a Davy qui me regarde d'un air sensuel. Ah, tu me. Non, je me filme moi. Ah, tu te filmes? Oui. Ah, c'est ça. Bah, si, regarde. Et du coup, j'ai rien filmé du repas, c'est le bordel. J'ai envoyé des jeunes faire des chamallows pour que ça. Je suis un peu tout nu. T'es un peu tout nu? Tout nu. Je suis top place. T'es tout nu? Ah oui. J'ai avoir des problèmes, je suis démonétisé, je me demande même plus pourquoi maintenant. C'est un fou. Oh bah ça je pourrais pas laisser ça. J'aime bien. Ça va mon chéri? Bon, je suis mort. Si le mec il est. Je suis obligé de tout filtrer là. Oh là là, quel bordel. Je vais tout filtrer. Mais cet après-midi elle a fait un live TikTok. Elle a dit Malone, par contre, Malone, je te préviens, je suis en live. Je disais, parlez doucement. Parlez doucement et soft dans les propos quoi. Parce que déjà quand son pote arrive. Où sont les autres? Quoi faire? Non. Des couleurs. Bon, on va faire une partie de Mario Party du coup. Bon les amis, le silence règne. Le silence règne. Il est actuellement minuit 31, Davy vient de partir avec sa fille. Et regardez l'état de la baraque. Et encore on a débarrassé. On a débarrassé. Voilà. Des godasses. Oh bordel. Bon ça c'est mes chaussures de moto. Ils sont allés au Lido les jeunes, hein, finalement. Ouais. Plutôt que d'habitude. Puis même la cuisine, rien qui va. On a rangé déjà. Ouais, mais c'est encore le bordel. Oui, c'est un lave-vaisselle.
l'autre. Non, c'est moi qui l'ai lancé. Ah oui, moi j'ai mis dedans. Oui. Bon, on va dire que c'était une journée très bruyante. Ah bah, on était 15 à la baraque. Hein. Les jeunes étaient 7, ensuite 6, parce qu'il y en a un qui est parti ce soir à 21h30. Et puis bah oui, bah, c'était très bruyant forcément. Après ils ont bien aimé, on a mangé en plusieurs fois parce que du coup bah, j'ai préparé les apéritifs pour les petits et puis les ados, et tous les enfants. Après j'ai fait la cuisson des saucisses, machin et tout pour tout le monde, couper le pain, préparer les sauces, machin, pour qu'ils aient tout à disposition sur la table. C'est juste à se servir et à se préparer leur sandwich, ils sortent le sandwich, les hot dogs. Et après Davy est arrivé, puis on s'est servi notre apéro aussi de notre côté. Et puis après on a mangé aussi avec Libby et puis sa fille. On a mangé ouais, les quatre ensemble avec Libby et sa fille et tout, après tout le monde. On avait remis nos gâteaux apéro sur la table. Les jeunes ont tapé dedans, ils les ont terminés. Quoi, Kika, t'as disparu? Bon, il fait nuit, elle va pas aller bien loin. Et puis bah après on a joué à Mario Party. Enfin, les jeunes ont joué à Smash Bros toute la journée. Ensuite, je leur ai dit, allez vous faire des chamallows dehors. Ils sont allés faire des chamallows dehors, ça nous a fait un peu de calme. Après, ils sont allés promener, ça fait encore du calme. On a joué à Mario Party, et après, on a lâché la console. Ils ont repris la console, ils ont rejoué à Smash Bros. Et puis là, en fait, là, il y en a 2-3 qui sont éteints, qui sont allés dormir. Et puis, bah, le reste a suivi, Malone aussi et tout. Mais en même temps, ils se lèvent tôt, hein, toute la semaine, hein, y a l'école et tout ça. Ah, ce week-end, demain, ça va être repos, hein. Un bon coup de ménage et repos. Là, les jeunes partent demain, Malone il va manger chez sa grand-mère. Ils sont allés au bout de... Par les ménages. Après oui, c'est vrai qu'on a beaucoup rangé quand même déjà plein de choses. Hein. Parce que c'était pas trop ça tout à l'heure. La table du salon, ça mangeait, était remplie de bordel et tout. Mes vidéos sont toujours pas monétisées. Là typiquement, bah, il y a deux facecams monétisées aujourd'hui. Celle-là, il n'y a pas eu de souci. Le vlog n'était pas monétisé, donc j'ai fait presque 5000 vues sur un vlog qui m'a rien rapporté. Et du coup, bah, le vlog là, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais le monter, le rendre, l'envoyer sur YouTube. Je vais essayer de pas m'endormir avant et puis je verrai s'il passe en démonétisé. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas du tout. J'essaie de pas fumer en vidéo, j'essaie de pas dire trop de gros mots. On en doute que ça soit ça, même si normalement c'est pas ça. Mon network m'a dit que ça avait rien à voir, donc je ne sais pas. On verra bien en fois. On verra bien. Maintenant, au boulot. Allez, je vous clôture cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Des bisous. Salut.